What's up tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 stunts et bien de la semaine. Et oui, puisque on va dire le top 5 stunts va arriver sur ma chaîne chaque semaine, chaque dimanche. Donc franchement, envoyez vos clips sur l'adresse qui va s'afficher. Non, en fait je déconne, il est dans la description, l'adresse mail, puisque j'ai trop la flemme de le faire afficher sur l'écran, qui s'appelle top5stunt@gmail.com pour ceux qui ont aussi la flemme de regarder dans la description. Ça fait quand même des gros flemmards dans ce monde. Et c'est parti avec la cinquième place qui s'appelle Critties. Bref, qui va tout simplement nous faire un petit backflip à la 801 bâti pour accéder tout simplement au parking. Donc on se retrouve vraiment avec un stunt plutôt simple, mais assez sympa à looker. Attention à la quatrième place avec Abdel. Si je prononce bien ton prénom, qui va nous faire, attention, deux sauts plus un petit backflip aussi qui arrive derrière. Donc c'est vrai que là aussi je me suis dit, bon bah c'est merci en tout cas de me l'avoir envoyé, je trouve ça aussi intéressant. Mais on se retrouve quand même à la 5ème, 4ème place, à laquelle, bah voilà, on se retrouve pour l'instant avec, on va dire, un peu du stunt, pas forcément facile, mais en tout cas potable. Et puis là on va commencer un peu dans le vif du sujet, à la 3ème place, attention avec Hardix, qui va faire, alors cette fois-ci en fait un tour. Alors il est dans un chantier, je sais pas exactement comment ça s'appelle, puisque bien sûr on est avec la bâtie, donc on est avec la moto. En BMX ça a d'autres noms, je sais pas du tout en fait comment ça s'appelle en moto, mais vous savez, il fait un tour, vous allez voir sur l'écran. Et puis après il va sortir, j'aurais préféré qu'il me la renvoie en faisant par exemple un backflip à la fin. Ça aurait été un peu plus sympathique, puisque là on a l'impression qu'il a voulu faire le backflip et après il s'est dit Non, je vais me casser la gueule et je vais pas le faire. Mais tant mieux, honnêtement, c'est plus joli que se casser la gueule. Mais c'est vrai que le backflip, bah, c'est un peu manquant et j'aurais aimé le backflip. Oh, mon iPhone a sonné. Non, je vais pas y répondre, je termine ma vidéo, bordel de merde. Je vous taquine aussi en même temps. À la deuxième place, attention, parce que là, c'est avec les premières deuxième places et je trouve ça très joli. Avec Makuza, excusez-moi, 75, qui a, alors attention, il a fait un backflip, mais en fait, depuis un toit, c'est-à-dire en fait, il va sauter. Et vous allez voir, en fait, grâce à une sorte de la petite pointe du toit, et bien, il va ressauter, qui va lui permettre de faire un backflip et qui va engendrer en fait sur un autre immeuble. J'ai trouvé ça pas mal, c'est une sorte de petite interactivité et qui a donné un peu plus d'action quoi, hein, parce que c'est vrai que souvent les stunts que je reçois, c'est un peu les mêmes choses dans la même catégorie, alors que là on joue un peu avec le décor. Et ouais les gens, avec le décor. On passe avec la première place qui est le top 1, en tout cas des personnes qui m'ont envoyé, peut-être pas forcément de la semaine de tous les gens qui fassent du stunt, mais en tout cas de ceux qui m'envoient du stunt, c'est Hardix, excusez-moi, putain il y en a qui mettent des pseudos quand même. Alors je sais pas du tout, j'ai peut-être les épées les prochaines fois, donc c'est IX, ah ouais c'est dur aussi des plaies, qui a fait plusieurs backflips. Alors comptez-moi combien il a fait de backflips. Moi j'en compte 4 de backflips. J'ai trouvé ça aussi pas mal, parce que c'est vrai que bon, il enchaîne. Ce qui, bon c'est des petits, mais j'ai trouvé aussi ça très sympathique, parce que bon, même si ça a l'air peut-être simple pour certaines personnes, Et bah voilà quoi, non, c'est bien, c'est quand même quelque chose de bien. Il fait 4 petits backflips et j'ai trouvé ça aussi très sympathique de sa part déjà de m'envoyer la vidéo, d'enregistrer, et puis voilà, on retrouve plusieurs de choses. Donc j'espère honnêtement que vous allez aussi m'envoyer des clips dans ce mail là, hein, puisque comme ça j'ai dans ma boîte mail pour regarder un peu ce que vous m'envoyez, en espérant de vous proposer un peu plus de clips. À mon avis, il faut 2-3 top 5 sonnet, oula putain, j'arrive même plus à parler, pour arriver à des bons clips assez potables. Putain, mon iPhone n'arrête pas de sonner. Parce que c'est vrai, bon, faut que les gens ils rentrent dans le jeu, ils jouent dans le jeu. C'est-à-dire que, bah voilà, hein, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre de voir ce genre d'activité sur YouTube. Et bah, petit à petit, il y en a qui vont vouloir vraiment s'inscrire là-dedans. J'espère honnêtement, parce que bah, c'est que du bonus. Et puis, ça fait plaisir aussi de voir ce genre d'activité. Je sais, le top 5, on en raffole tous. Pour l'instant, on se retrouve avec la première place. Bon, c'est déjà mieux que la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines plutôt. Avec, c'était un peu moins intéressant. Où là, c'est vrai que 4 petits backflips, bah, c'est sympathique à voir. Voilà, merci à vous tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Et surtout, moi, je m'en fous du j'aime. Si vous préférez envoyer une vidéo, envoyez la vidéo et mettez pas de j'aime. Moi, je m'en fous. Je veux la. Vous m'envoyez la vidéo, comme ça, je peux continuer la série pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain. Voilà, merci encore pour tous les gens. Je pense à dans ma petite tête. J'ai fait un nouveau planning pour ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi la checker sur Facebook. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao, peace out. C'était la fin pour ce top 5 clip. Et le top 10 clip, il arrivera bah, quand j'aurai un peu plus de clips un peu plus intéressants. Je dis pas que c'est nul, c'est un peu plus simple. On s'est compris. Peace out.